Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission préférée, Vidéo Buzz. On démarre cet épisode avec une bonne nouvelle du côté de la police nationale ivoirienne. En effet, ce mardi 6 décembre, on a pu apercevoir une colonne de véhicules de la police nationale flambant neuf, façon américaine. Doté de caméras embarquées, il paraît que ces chics véhicules serviront à une nouvelle unité appelée Police Recours. Si c'était... Si tu n'es pas ivoirien, pardon, faut tout faire. Il faut être un enfant de Dieu. Tu ne peux pas comprendre. Vois-tu ça là? Dans un pays au loin là-bas, c'est voiture des ministres. Ministre roule dedans. Maintenant chez nous ici, c'est pour voleur. On met ça, et puis on attrape voleur, on le met dedans et il roule. Et il est en climatisé. Quand on vous dit, hey, un pays développé. Après d'aujourd'hui, il sort sans pièce, rien. Chaque matin, chaque soir, il dort devant le commissariat. Rappelez-moi, il doit monter dedans. Rappelez-moi, je ne peux pas comprendre. Comment ça, un pays, voiture de luxe pour les voleurs? Et c'est normal. On part maintenant du côté du football avec Eto qui a donné le mardi dernier un coup de genou au visage à un youtubeur algérien dénommé Sabouni. Pour cause, le youtubeur aurait énoncé de façon très provocatrice une question dans laquelle on entendait « Gassama, Gassama » pour évoquer l'arbitre gambien Bakary Gassama qui a officié et qualifié les Lions indomptables lors du match retour Algérie-Cameroun, d'où de nombreuses rumeurs en Algérie soupçonnaient l'arbitre d'avoir été acheté. Qu'un individu comme Eto, en pleine Coupe du Monde, conscient des milliers de journalistes, qui se trouve à cet endroit, en huitième de finale, décide de celui d'être si violent. Vous remarquerez qu'on l'arrête. On l'arrête. Il refuse. Il bouscule les gens pour aller battre ce caméraman. Ce que M. Eto ne sait pas, c'est qu'il s'appelle Samuel Etofis. Et ce type de personnes, ce sont des personnes qui ont le sentiment d'avoir parfois un pouvoir surhumain, d'avoir une autorité sur les autres, d'avoir pouvoir de vie et de mort. Ils se sentent investis parfois d'une mission. Et donc, ils n'arrivent pas parfois à savoir qu'il y a des limites dans la société auxquelles ils sont confrontés. Le pouvoir rend fou. Et ce qui arrive à Samuel Eto'o, c'est une dérive autoritaire qui le perdra. C'est vrai que je ne suis pas d'accord avec cette réaction. Samuel Eto'o est l'ambassadeur du Qatar. Samuel Eto'o est le président de la Fédération Camerounaise de football. Samuel Eto'o est le plus grand footballeur africain. Donc moi, perso, je suis pas d'accord avec cette réaction. C'est vrai que j'ai bien dit que je suis pas d'accord avec l'acte de Samuel Eto'o fils, mais ça peut s'expliquer parce que parfois, on se sent débordé. Parfois, lorsqu'on est trop agacé, on peut se laisser aller. Et c'est ce qui est arrivé à Samuel Eto'o. Depuis le match depuis l'Ascar, ça fait 9 mois aujourd'hui qu'on a tapé l'Algérie. L'Algérie, c'est d'abord qui? Si on peut classer les 5 premières équipes africaines, l'Algérie n'en fait pas partie. Nous voyons tout ce que Samuel Eto'o a fait dans l'équipe nationale. Mais comme hier, c'était Zegri qui a eu la malchance de ne pas réussir leur vie, il passe le temps à verser les frustrations sur l'enfant d'autrui. Il vous a fait quoi pour ne pas mériter le soutien de ses frères? Si vous-même, en tant qu'être humain, qu'importe votre statut, quelqu'un vous harcèle matin, midi, soir, il vient entrer dans vos yeux, vous allez rester tranquille. Samuel Eto'o, il n'y a pas un joueur algérien dans l'histoire de l'Algérie qui peut s'arrêter et parler football avec Samuel Eto'o. Toute modestie mise à part. Il faut apprendre à reconnaître. Quand un lion est un lion, il faut reconnaître, je peux le dire, ça génère. Mais on va aller pas à pas. Regardez bien la vidéo. La vidéo est coupée en deux temps. Le premier temps, on voit le journaliste, le youtubeur qui le suit. Et le deuxième temps, on voit Samuel Eto'o maintenant qui se retourne avec colère. Pourquoi? Je vais vous dire. Samuel Eto'o le regarde ici. Regardez la distance entre les deux. Donc, Samuel Eto'o le regarde ici. Il commence à proférer les injures là. Là, il est en train de lui dire tricheur, 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 tricheur. Il continue. Et là, regardez la distance, Samuel Eto'o était déjà parti. Mais pourquoi Samuel Eto'o revient? Pourquoi Samuel Eto'o revient? Il revient maintenant pour lui dire, qu'est-ce que tu as dit? Et là, le petit Algérien, animé d'un esprit mondial,
Il tape maintenant Samuel Eto'o sur la poitrine. Là, voici le geste. Voici sa main. Voici la main de l'Algérien. Voici sa main sur la poitrine de Samuel Eto'o. Voici sa main. Voici sa main ici, sur la poitrine de Samuel Eto'o. Vous me parlez de quoi? Oh, Samuel Eto'o n'a pas été sage. Oh, Samuel Eto'o. Il y a une chose que Samuel Eto'o n'acceptera jamais dans sa vie. C'est qu'on le traite d'un sale nègre. Jamais. Un coup de pied dans la tête à un supporter algérien dont la seule arme a été une caméra. Il t'a ni insulté, il t'a ni agressé, il t'a juste chambré. Et toi, tu réagis comme ça? Quel manque de dignité! Un lion indomptable, un lion incontrôlable. T'as pas su te contrôler, Samuel. T'as fait une Will Smith. Encore pire, t'aurais pu le tuer avec ton coup de pied. Alors que la fédération algérienne a souhaité bon courage au Cameroun. Djamel Belmadi vous a souhaité bon courage pour la Coupe du Monde. Quelle honte! On veut des sanctions et surtout des excuses. Lionel Messi, il y a des supporters qui rentrent sur le terrain, qui l'étranglent. Il réagit pas comme ça. Ronaldo, au pire, il prend un téléphone, il le casse. T'aurais pu casser la caméra. Ta carrière est finie, Samuel. Samuel Eto'o, il a raison. Ça fait plusieurs mois qu'il se fait harceler par des supporters algériens. À quel moment vous avez vu des Algériens attiser la haine? À quel moment vous avez vu des Algériens faire des appels à la violence envers les Camerounais? Jamais. C'est toujours resté dans le cadre du football. On se taquine, on se chambre, mais jamais les Algériens s'en sont pris au drapeau et au peuple camerounais. D'accord? Samuel Eto'o, Samuel finito. Ce harcèlement permanent des supporters algériens contre les dirigeants camerounais, contre les supporters du Cameroun, il est immoral. Le youtubeur algérien Saïd Ouni Mouchkel, j'ai fait ça pour l'Algérie. Je connais bien jusqu'au Qatar pour faire ça. Je connais pour parler au nom des Algériens et des Algériens. Et tu l'accuses de corruption? Et tu le provoques? Et tu dis que tu as fait ça pour l'Algérie? Et personne en Algérie t'a demandé d'aller faire ça. Tu es qui, toi? En quoi ça va servir l'Algérie? Ou là, en quoi c'est utile pour l'Algérie d'aller insulter les autres, d'aller diffamer les autres et d'aller les provoquer dans une compétition à laquelle l'Algérie ne participe pas? Il m'a cassé ma caméra. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, pour ceux qui ont vu les images de cette agression-là, bon, je ne sais même pas si je vais l'appeler agression, hein. Moi, j'appelle ça une bonne correction méritée. Au moment où on était en train de séparer le grand Pititi, il y a un monsieur de la foule qui a couru comme ça vers terrain, vers terrain, vers terrain. Il est allé arracher la caméra entre les mains de Sadouni. Je sais qu'Eto'o est intouchable, car c'est un personnage connu. Mais j'espère que justice sera faite. Regardez l'état de ma caméra. Regardez comment il m'a frappé. Regardez toutes les blessures que j'ai sur moi. Il m'a cogné que dans le ventre comme ça là. Et je suis tombé comme n'importe quoi. Samuel Eto'o, fils, j'espère que justice sera faite. Je ne supporte du tout pas les bagarres, même si je suis un vrai bagarreur. Mais ce genre de comportement, c'est vrai que moi aussi je l'affiche, mais ce n'est du tout pas bien. Comment tu vas venir t'arrêter vis-à-vis comme ça là, nez à nez, yeux dans yeux, bouche dans bouche, pour lui dire que tu as donner des pots de vin? Bagarre méritée, coup de poing mérité, correction méritée. Donc on sait tous ici que Eto'o a mis bim sur quelqu'un. Il a tapé sur Donia de quelqu'un. En tout cas, après le passage au poste de police, voilà, Eto'o, qui d'après plusieurs médias méritait une sanction de la part du pays organisateur, s'en est sorti sans aucun rappel à l'ordre. Hein, oh. C'est plutôt notre ami, le youtubeur chou, Sadouni, ou bien Sadoumi, il sait plus, qui a été sanctionné. De un, il lui a interdit l'accès au stade où se déroulent les matchs de Coupe du Monde, et même qu'il ne doit même pas s'approcher même de ces stades-là, aux alentours, même au parking où on garde les voitures-là. On ne doit même pas le voir là-bas. De deux, il ne doit pas s'approcher des personnalités qui sont venues pour la Coupe du Monde. Aucune personnalité. Il ne doit même pas aller filmer quelqu'un. Et de trois, mais pour la troisième, je ne suis pas sûr que c'est vrai, il aurait eu une amende d'environ 2 000 $, je ne sais plus. En tout cas, ça, je pense avec des pincettes, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas vraiment, vraiment sûr. Donc, qu'est-ce qu'on reproche à notre Sadouni? On dit qu'il a agressé verbalement un ambassadeur de la FIFA. Il faut savoir que Eto'o est ambassadeur de la FIFA maintenant. L'ancien international, peu de temps après, est revenu sur son geste en s'excusant. C'était Vidéo Buzz. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné.